dossier Biden nan temps en temps gen ti bagay. Bon da gou ba m'pral di peyi a la. Ou actuellement si DCPJ a travail. Comme baron ça a réglé dans peyi a, mais temps en temps au fond ti couri, mais si DCPJ a travail. Si immigration a travail dans peyi a pour aider peyi a. Conseil de contrôle yo supposé mettre son série de nèg kap entré sorti Miami. Parce que Miami pi près Haïti. Genèg se manje Haïti al bwè dlo Miami. Pendant m'ap parle avec la société malheureux pa ka voyager. Et bon ba m'abdou la oui. Malheureux c'est parti au parti, malheureux pa voyager. Mais ça me l'a dit. Malheureux kap sorti Haïti kap vin bousquer la vie aux États-Unis. Yo résigné, yo payé ticket, yo rentré. Moun sa yo parti, yo pa voyager, yo parti. Et moun sa yo parti, yo parti. Mais nèg kap voyage presque chaque week-end, yo vide Miami, faut nous mettre contrôle sur yo. Pendant ma parle à voilà, pipiti kop bon nèg payon ticket sur Haïti, vide Miami, li nan $600-700 américains. Pipiti oui. Pipiti oui. Sinon, gen ticket wap cheke kounya ou el koute 1000, 2000, presque $3000. On bo ticket. Et bon parole m'a parlé avec la, oui. T'as dit, si son malheureuse qui nan programme Biden ou bien l'autre malheureuse qui a vint booster la vie aux États-Unis, moun sa se parti, il parti. Mais sou on nèg chaque week-end di voyage, la vie nou e famille Miami, mette contrôle sou nèg sa, kote la travail, ki sous l'argent. Son coup men a bay pays ya, mon ki mè lèm nèg yo raïm déjà. Ou a jamye la, m'dap di sa avec fami mouen. Mouen kreye ennemi pou Milan. Ni mon van. Sa di, ki sa m'bra l'achete? D'ailleurs, ou e koum sot pravan e la, m'ba gen ken moun vre m'bra livre kom ba yo. E a fèm pou idan koun ya, gen moun ki di m'tete non, ba, e pa fot mwen vin pou idan. Parce que chat boule dans de l'eau chaud, li wè de l'eau frette, li oblige renka renka. M'vin pou idan. On nèg ap monte descend Miami questionnel. Parce qu'on ticket pou sot Haïti vin Miami koun ya, pipi ti kwa oublie se $600-700 américains. Pa gen blague la. Bon montre un bagay ki simple. Bon, an jodi an la, sou pran $700 américains. Multiplié par 150 goud. Sa bon, ou nou ekol ba ou? Li bon 105 000 goud. 105 000 gouttes divisé par 5. Li bon $21,000 pour un bon ticket. Pour vivre, oui. Ça dit, un bon ticket, sont à Haïti actuellement, là, le coûte au moins $20,000 haïtiens. Kounia, on dit que nèg ça, pendant un mois, il fait 3 voyages. L'on fait 21 multiplié par 3. Combien le bon là? $63,000 dépensé red. Sans compter, checker l'autre bagaille, manger, etc. Kote la travail, combien kob li touche? Et ça te fait, vous paquet nèg la, sans réseau krasé pays ya, oui. Nèg yo pri ta pays ya en réseau. Et ça te fait, yo pavle ou nèg sous réseau. Vous comprenez ça, m'dou la? Le fait que yo krasé pays ya en réseau, yo pavle ou nèg sous réseau, kap dénoncé yo. Nous fin carré dénoncé yo. Le ou la façon. Après Timote, kote Timote. Bonsoir à vous. Ingénieur Moreno, frère, comment y est? Bah, y'a un pile nan, mais nous, comment y est, papa? Monsieur, attendez, nous en forme. Encore une fois, toujours qu'on ait que son plaisir pour que nous sommes passés dans ces grosses activités. Et qu'ils nous profitent tout pour que nous saluer tous les fidèles branchés, qui branchés ni à Haïti, ni à l'étranger dans leur part. Merci, frère. En aller rapidement. Je dis à la, avant de parler, mais t'as semblé, Gonti. Modification sous bagay yo. Parce que moi gen yon note qui sorti là, USCIS. T'assemblé conseil de moun qui te pense yon kouri, fait pressé, target système nan. Yon gen le rempli plusieurs fois pour seul moun. Est-ce que gen conséquence? Qui sa ba lan yon? Fon di ba la ven nou? Bien sûr, Tete. D'ailleurs, USCIS se fait clair dès le départ que li pa recommandé pour yon moun rempli pour yon moun deux fois. Sans que vous parliez en premier résultat. Ça qui arrive, par exemple, pour te rempli pour mon a déjà, il y a un erreur qui fait dans l'application, il y a un résultat négatif pour vous, pour qu'à toujours retourner rempli pour mon ça. Et nous, il y a un monde qui arrive déjà, bien des mondes, par exemple. Nous, il y a un monde, par exemple, qui te rempli en première fois, si je ne m'abuse pas, c'était le 6 janvier, il y a rejeté le 7 janvier, il y a re-rempli le 7 janvier, si je ne m'abuse pas, il y a rejeté le 9 janvier, et puis le 14 janvier,
nous remplissons le nous toute information correcte. Malheureusement, c'est mal que mal rempli. Nous remplissons pour lui. 14 avril, là, les autres écrits nous disent merci, félicitez nous, nous approuvons mon lien. Ça veut dire que il n'y a aucun problème que vous rempli pour le monde, que vous avez rempli pour lui déjà, malheureusement, qu'il y a un résultat qui est négatif. Now, principal problème, là, c'est le fait que il y a un groupe de monde qui fait comprendre que, attendez, si vous avez rempli pour janvier, ou bien vous avez rempli pour telle date, ou pas quoi j'aimerais pour nous, dossier la passer en bas, rempli pour dossier la capacité en l'air. C'est comme si l'orive dans ligne DGI et que mon nom était campé pour elle font si sauter et puis au moment où elle vaut, là, elle cherche son côté pour l'entrer dans ligne de plus devant. Parce que l'Haïtien se comprend toujours intelligent. Ça veut dire que l'Haïtien est rempli déjà, ça arrive que l'Haïtien est rempli en janvier, il doit bon monde qui est rempli aujourd'hui à qui c'est mars. Il va approuver mon nom même côté, il va approuver mon nom après une semaine. Pour ça, il tout profiter lui-même à le remplir sous prétexte que ça va inciter que il va approuver automatiquement. Il va essayer de se décourager parce que ça. Pour qui ça c'était? C'est parce que, par contre, vous remarquez ça bien. Par exemple, pour même qui sont immigrants ici aux États-Unis, vous remarquez que, quand président souvent, les gars ont un numéro là-dedans qui soit marqué Alien Number, ou bien qui marqué A Number, ou bien qui marqué USCIS Number. Si je m'abuse pas, c'est un numéro de 9 chiffres. Numéro ça, jusqu'à ce que mon avis américain ici, l'IPRAL, non certificat, naturalisation, mon nom. Donc, chaque monde qui vient ici aux États-Unis, les vient avec un Alien Number. Alien number ça, la suivre bon ça, pour quel que soit l'autre bénéfice migratoire que mon ça t'avait une joigne. Par exemple, si mon ça t'avait une joigne, mon ça t'avait une résidence, si mon ça t'avait une naturalisée, là, toujours gagne même alien number ça. Now, l'autre même mon nom, ou rempli pour les deux fois, sans que l'hypocor y ait un premier dossier qui close, ou vient créer un taux hubori dans le système là. Ou qu'a vu la cause que vous approuvez mon ça deux fois, et là, vous approuvez mon ça deux fois, ou vient la cause que même si vous ça, il y a deux alien number. Parce que faut remarquer bien, l'on applique pour le monde deux fois et que USCIS comprend que deuxième monde, c'est premier monde, l'on prend décision sur deuxième cas, il automatiquement ferme premier cas et du premier cas, c'est un cas qui administrative les clauses. Ça veut dire que ce sont très très mauvaises pratiques liées pour remplir pour le monde qui gagne un monde qui est rempli pour lui déjà et que vous juste faire un objectif pour accélérer le processus là. USCIS fait le clair, non seulement en aucun cas, il pas accélérer le processus là, mais deuxièmement tout, au lieu d'y accélérer le processus là, ou courir risque pour que il fait le processus là pour plus de temps. Wow! Bah, yon ti kras mélangé, ça veut dire que, moun qui te pensé, parce que gen pile zami te dit ça, qui dit mou tete pour ça, si tel moun applique, il prend temps pour qu'il soit pas réappliqué, vous li encore, etc. Alors que, bah, elle a toujours montré li pendant dans le système nan, qui donc gen suivi qu'a fait. Donc ça, li complètement déconseillé, et m'pense que gen moun qui capable en difficulté pour ça. L'autre bagay, gen pile moun kap dit que t'as l'air mou font ti poste, mais bah, ça l'gen doit faire compte. L'ingé doit faire compte parce que t'as l'air. Il y a un monde qui dit le pot qu'on remplit. Ça va vous dire que, ça va vous dire que pas un monde qui peut pas remplir ta chevrée. Bien entendu, ça va arriver qu'aujourd'hui, il y a un monde qui peut pas remplir ta chevrée vraiment. Surtout, par exemple, si c'est un monde qui prend l'ARS, il y a un monde qui a toujours appliqué pour une extension, etc. Ça va arriver. Cependant, là encore, il n'y a pas qu'à quelqu'un comme argument. Parce que, premièrement, depuis hier, majorité du monde dit remplir ta chevrée déjà parce que hier, c'est le dernier délai que l'USCIS bail pour remplir ta chevrée. Deuxièmement, l'USCIS, c'est clair. Un script là, c'est pas unique document que vous êtes capable d'utiliser pour remplir pour un monde. Vous êtes capable d'utiliser un domaine YouTube pour remplir pour un monde, même PayStop que vous avez dans ce travail là, vous êtes capable de faire utilisation de lit pour remplir pour un monde. Donc, moi je dis ça surtout, c'est par le simple fait que moi je viens de des mondes par exemple qui fait 15 jours, 22 jours, yo dit que gon moun ka rempli pour yo. Yo ki tan vin aller tout jour, c'est ou m'a faire rempli pour moi. Et puis ki sa moun nan ba yo comme argument, moun nan ba yo comme argument que c'est ça qui pour rempli. Donc le jour de ba est arrivé sous moi comme ça, li on ti j'en fait mal. M pa ka di moun nan li de manière individuelle pour moun dire cherche pour l'autre monde parce que ou plus stable au monde que y a boité, mais on dit le public pour que yon moun ki tan déjà message ça pour ka konnen publiquement que c'est volonté que moun nan pa gagné pour le rempli pour lui. Parce que en aucun cas rempli sac
pas yon nan requirement que yon mandé, pas yon nan obligation que USA fait. Foula y a fait. Et foula y a fait. Pas yon obligation. Ça veut dire, même d'abord du tout que yon nan men ou la, pay stock que yon paye yon nan travail là, les travail là, ou kap fait utilisation de li, et m'a dit formellement que moi même personnellement, moi fait utilisation de li déjà, et moun yon approuvé, il n'y a aucun problème, et c'est quelque chose qui trouve il sur page USA. Donc, si yon moun de que c'est taxe, il n'y a pas rempli, il fait le pas rempli pour, on sait que le bagage est en rempli pour. Oh, pas de problème. Eh ben, pour me quitter, il y a espoir, ça veut dire que gen moun la janvier, février, captain toujours, il y a espoir toujours? Mais bien sûr que oui, au contraire, moyen yon associé moi qui tire le USCIS à l'heure, tire le USCIS à l'heure, pour yon nan client nou yo qui attend depuis 1 janvier, qui n'a pas encore un résultat. Et puis, Damna explique que est-ce qu'on connaît que gen moun Venezuela, parce qu'on connaît que pratiquement c'est 4 pays dans Amérique qui fait partie de programme ça, Haïti, Venezuela, Cuba avec Nicaragua. Agent USCIS a expliqué que gagne un monde Venezuela qui remplit formule depuis en octobre, qui jusqu'à présent attend un résultat, qui n'est pas encore un résultat. Donc c'est juste pour dire que remplir un dossier USCIS, c'est pas juste une roche pour tirer dans de l'eau et que pas qu'il y ait aucun espoir qu'on va le retrouver encore. Non. Le remplir un dossier avec USCIS, automatiquement, c'est remplir un dossier. Même un message que vous voyez par USCIS, ça va arriver que vous répondez après 10 ans. Mais c'est certain que vous avez une réponse quand même. Pour qui ça? Parce que le remplir un dossier avec USCIS, il y a un ticket qui automatiquement créé dans le système. Nan. Et dans le genre d'entreprise, yo, chaque groupe employé a un superviseur ou un manager qui travaille ensemble avec lui. Les managers lui-même, il y a pour que lui reporte son travail. Li. Donc, les managers là, il y a un ensemble de tickets qui étaient ouverts devant lui. Il y a l'autre monde qui sous tête lui, qui target lui pour que le ticket soit même fermé. Donc, chaque fois où vous mettez un dossier dans le système USCIS, chaque fois où écrit USCIS, il automatiquement généré un ticket dans le système là, et moun sa ou pas dormi, pas avant de pas répondre ticket ça. Et donc, souvent, quand vous êtes rempli, meilleure solution, hein, c'est tout simplement répétant de rejoindre le résultat dans le cas. Parce que chaque fois où vous avez USCIS, chaque fois où écrit USCIS, pour essayer de demander comment ça y est, c'est plus pour retarder qu'on retarde. Parce que lorsque vous écrit moun yon demander comment ça y est, ok, on t'a supposé que ou bon fond bagay pour vous. Et puis, après ça, un message qui monte, qui dit, Bruno, mais à propos de tel bagage que je vais faire pour moi, vous d'accord ensemble avec, m'obliger à camper dans ce que je vais faire pour moi, pour me regarder le message que vous voyez dans moi, pour moi, si ce n'est pas une nouvelle instruction que vous voyez dans moi, pour m'appliquer dans le dossier. Là. Par exemple, un dit au monde qui se met dans dossier, et que le dossier a une erreur dans le numéro de passeport, ou bien il y a une erreur dans la date de correspondance, par exemple. On t'a dit que USCIS está sur le point pour que il y ait le dossier ça. Et puis, ouvre un message. Par exemple, le message que vous voyez, c'est mon message que vous voyez dans le simple objectif pour USCIS, quand tel que ça pour. Si vous écrivez un débrouillon fermé, il y a fait même. Par exemple, le message que vous voyez, c'est mon message que vous voyez pour que vous update un erreur pour défendre le dossier. Donc, vous automatiquement créez un retard qui n'est pas nécessaire. Donc, la bonne solution, c'est de rester jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui tombe dans le dossier pour là. Correct. Avant aller net. Parce qu'on connaît bail ça, il tellement bail petit problème, il bail petit problème. On imagine que pendant attend là par exemple, et puis pendant t'as rempli forme non, t'es gon erreur qui t'est glissé, par exemple soit dans date de naissance moun nan, ou bien soit dans adresse ou bien email ou bien nom moun nan, t'es gon petit fly qui on est qui pat là et puis dossier ça. Est-ce que yo a automatiquement annulé ou bien gen moyen pour yo informer ou pour corriger? Non, yo pas automatiquement annulé li parce que pour la simple bonne raison que USCIS pas connaît que sou fait erreur nan moun nan. Okay. D'ailleurs, ou ka rele moun nan Marie-Jacques, moun nan rele Marie-Jeanne, mais la gagne dire que c'est Marie-Jacques moun ta rele et pas gen aucun moyen, pas gen aucune ressource que USCIS dispose pour que li connaît est-ce que non moun ta correct ou pas. Alors, j'aime toujours dire moun yo gain deux erreurs seulement qu'a fait dans information bénéficiaire là qui vraiment qu'a faut prendre un peu le temps. C'est erreur qu'on fait dans email là avec erreur qu'on fait dans numéro passeport là. Mais si c'est erreur qu'on fait dans date naissance bénéficiaire là, si c'est erreur qu'on fait par exemple dans non bénéficiaire là, c'est quelque chose de très simple. Automatiquement que au fin confirmer sponsor là, le bénéficiaire là arrivé dans compte lui, gain un côté que USCIS a demandé pour que les confirmer information personnelle pour assurer que toute information ça est correct. Si on a erreur dans nom, on a corrigé erreur là. Si on a erreur dans signature, on a corrigé.
si vous avez une date de naissance, vous pouvez corriger l'erreur qui est dans la date de naissance sans aucun problème. Et avant tout, dans la question de correction, gros problème que moi qui vive très souvent, que moi je voulais ajouter pour moi publiquement. Il y a des gens qui ont plusieurs noms en Haïti. Par exemple, on a gagné Warelé, Moreno et Jacques, et puis signature, c'est Pierre. Ça veut dire que moi j'ai gagné deux prénoms, ou bien moi j'ai gagné un prénom avec un panorama midonyme ici aux États-Unis. On y a qui s'est passé? Leur a rempli pour Mounsa, ça arrive que Mounsa a rempli pour Oua, étant donné que Haïti n'a pas un système midonyme, lui mettait Moreno Jacques là, pour tous les deux prénoms. Ça arrive que le monde qui a rempli pour Oua, lui mettait Moreno dans le prénom, lui mettait Jacques dans le midonyme. Exactement. Quand il y a qui s'est passé, leur final trouvé ou même bénéficiaire là, leur a fait ce processus là, leur il est côté au mandé pour qu'on vérifie information personnelle ou yo, ou pas pour Moreno Jacques, ou après seulement Moreno, parce que lui seulement montre au first name, non, lui pas montre au midonyme. Même midonyme là. Now, soit tenté corriger pour mettre Moreno Jacques, ou a saisi, ou les documents voyage la sorti, li sorti Moreno Jacques deux fois, li sorti Moreno Jacques Jacques Pierre. Pour la simple bonne raison que c'était seulement first name au display, y'a pas de montrer au midonyme. Donc, soit tenté ajouter l'encore, il y a un risque pour que non sorti, pour que ça nous les midonyme dans sorti deux fois, et là encore, ça va poser difficulté pour traverser un port là, et ça va même arriver que son autre application soit besoin de remplir. Donc, rassurez-vous, sous ce qui est deux noms, avant même que vous remettez deuxième nom, hein. Encore, rassurez-vous ensemble avec Consora pour garantir que l'hypothèse est pour déjà. Ok. Ça veut dire que bénéficiaire là doit avoir un contact serré avec Sponsora ou bien moun qui remplit pour l'IA pour le connaître exactement qui ça donné. Oui. Bien sûr, bien sûr. L'IA doit avoir un contact serré et surtout, tout et dans tout, parce que comme pour profiter à ajouter, on connaît. Et un petit peu de l'intervin, je me dis qu'il y a des gens qui remplissent pour Mounio et qui ça va faire. Il met un email par yo. Au lieu de mettre un email bénéficiaire là pour message à venir, je vais bénéficiaire là. Vous comprenez? Et puis, qui email yo mette, c'est propre email par yo que vous mettez le constat. Le, en tant que par exemple, n'est-ce pas un bel site en Haïti là, il a besoin, il était 15 yeux sous lui. Et puis, il a écrit, il a monté vite sous lui. Et puis, qui ça va faire? Li rempli pour vous, et puis il met ses propres email par lui-même qui sponsor, il met ses propres email par comme étant bénéficiaire, et puis le pour de la vie, c'est les vignes jeunes qu'on y a. Qu'on y a pour la vie jeunes. La vie jeunes qu'on y a, n'a pas passé dans la négociation. Vous comprenez? Donc, par expérience, vous allez là. Plusieurs qui répondent me dossier ça. Eh bien, merci, oui, ingénieur. Mon ami qui dit que, est-ce que si on moune, par exemple, t'es sous résidence, est-ce que ça qu'arrive le bénéficier d'un programme ça? Ben, bien sûr, il n'y a aucun problème. Au contraire, moune qui sous résidence, c'est plus bonne opportunité pour eux. Parce que, pas bien que, à cause de questions coronavirus ajoutées sur l'insécurité qui gagne en Haïti, nous parce que c'est dit ambassade là fonctionner à quantité réduite. Ça qui vient de rendre que, par exemple, il y a des gens que dossier arrivé dans Visa Center il y a 3 ans de cela, qui jusqu'à présent, pour qu'on fasse un rendez-vous ambassade. J'aime pas mentir. Mais programme ça l'aide, il y a plusieurs gens qui auraient l'aide parce qu'ils ont perdu l'argent. Ils ont perdu comme, ils auraient l'empile, ils ont plusieurs résidences, oui, là. Il y a bien sûr, ils ont l'empile mon résidence à un moment, ça y est. Mais qui s'est passé? Si vous avez un monde qui croit ça, qui gagne un dossier qui dans Visa Center, ça fait longtemps, c'est pourquoi j'aime pas un résultat. Au contraire, si vous sous programme ça, c'est meilleure occasion pour venir. Et puis, l'arrivée ici, ou à, pour faire ça nous relève en changement de statut. Donc, leur sont pas besoin de retourner en Haïti encore. Interview à, ou pas juste passer interview à la KUSIAS. Il y a interview, bien entendu. Et puis, ou pas même besoin de retourner en Haïti encore. Ou à, juste faire ça nous relève en changement de statut. Il y a rempli une forme I-425 pour vous. Et puis, la paix. La paix. Merci, ingénieur. C'est ton côté. Ou aller dans YouTube, vous tapez en Haïtien de tout côté. Ou seulement cliquer sur subscribe ou bien abonner. Après ça, oubliez sur tout qui veut dire cette cloche qui a fait qu'on a nos live avec nous poster nos nouvelles vidéos avec page Facebook haïtien tout côté. Donc, et nous faisons lancer cette page là, nous avons plein d'informations qui nous ont mis sur lui. Pour les gens qui nous ont regardé là, allez dans Facebook, tapez haïtien tout côté et puis à suivre nous pour que nous poster une vidéo ou bien tout n'importe information et à propos de l'immigration. Pour nous capables de nous. Merci et puis à partager toute vidéo nous sur YouTube. Nous avons plus de vidéos qui nous ont été déjà. Toutes vidéos qui nous aiment et à partager, à regarder, c'est vraiment important. Merci avec tout le monde qui a été avancé. Merci parce que nous like, nous abonner et nous partager le message. Merci avec tout le monde.